Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire, tu sais, j'aime bien partager ta joie, mais ne t'emballe pas trop vite sur ce que tu anticipes. Et cela vaut autant pour les belles choses que pour les mauvaises. Réjouis-toi de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Réjouis-toi de tes projets, d'être positif, afin qu'ils se réalisent. Mais attention, avant de poser un geste qui serait associé à une réussite qui, selon toi, est assurée. Par exemple, si tu mets ta maison à vendre, tu peux être positif et tu peux être certain qu'un résultat en découlera. Mais ne va pas acheter tout de suite une autre maison si tu n'as pas les moyens de payer deux hypothèques. Tu sais, les conséquences peuvent être graves. De même, si tu promets une chose dépendant de circonstances incertaines, eh bien tu risques d'avoir du mal à vivre avec cette promesse. Tiens pour acquis ce que tu possèdes et non ce que tu n'as pas pour le moment. En cours de route, tu pourrais choisir de changer d'idée, car une autre occasion s'offre à toi. Visualise que tu es gagnant, oui, mais ne savoure pas la victoire avant d'avoir connu l'épreuve. Tu sais, je te dis cela dans le but, eh bien, de t'épargner de la souffrance, pour que tu sois capable, en tout temps, de te regarder dans le miroir et d'être fier de toi. Et imagine ta fierté à toi quand tu auras remporté cette victoire. Tu pourras la savourer pleinement au moment présent, davantage que si tu y avais goûté à l'avance par petites bouchées. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douce pensée, Angélique.